Bonjour ou rebonjour. J'ai le très grand plaisir de vous présenter Marie Robert. Inviter une conférencière ou un conférencier, ça commence toujours par une rencontre et parfois il y a des rencontres insolites. J'ai rencontré Marie dans un train, un TGV. Je voyageais avec 4 lauréates et lauréats et jamais un voyage ne s'est déroulé aussi rapidement, jamais un TGV n'a circulé aussi vite. Marie, vous allez le voir, est réjouissante, enthousiasmante. Elle est philosophe, elle enseigne la philo aussi bien au lycée qu'à l'université et aussi dans son école Montessori qu'elle a créée. Marie écrit des livres qui nous décomplexent vis-à-vis de la philo et elle la rend accessible à tous. Et elle a par exemple écrit celui-ci, j'espère que vous le voyez à l'écran, « Quand on est confiné ». Il reste la philo. Marie, merci énormément de nous faire le cadeau d'être là. Et t'es belle comme un portrait de Vermeer. Oh là là, mais quel accueil! Alors déjà que j'étais absolument ravie d'être ici avec une telle introduction, je voudrais juste me contenter pendant 30 minutes de sourire et de me réjouir d'être avec vous. Alors avant tout, bonjour à tous. Je vais rapidement me présenter, même si je pense que la présentation de Marc sera de toute façon mieux que la mienne. Un grand merci à Marc pour sa confiance et effectivement, comme moi j'aime beaucoup les histoires, je vais vous raconter très brièvement cette rencontre avec Marc et avec ces quelques lauréats de l'Institut d'engagement. C'était absolument incroyable. Donc effectivement, j'étais invitée au Napoléon, donc à un événement, et on était dans un train. Et le train, et pourquoi vous allez voir le lien avec ce qu'on traverse aujourd'hui, il y a ce côté d'être dans un espace clos. Un espace clos et pour autant en mouvement. On est dans un wagon pendant X temps, alors là en l'occurrence c'était plusieurs heures. Et tout d'un coup, quand on est dans ce wagon et dans ce temps si singulier, et pourtant tout avance à l'extérieur, mais on est dans un repli. Et dans ce repli, j'ai eu la chance de croiser des regards. On était dans un carré, ils étaient installés dans un carré, dans deux carrés côte à côte, et moi j'étais juste derrière. Et j'ai eu la chance, en fait, d'entendre cet ouragan de joie de vivre, la bienveillance de Marc, ces jeunes, ces 4 jeunes, dont mon cher Mehmet qui nous écoute, et les autres réunis, dont Alice de Cache-Patajoie, qui étaient en train d'échanger, de discuter, de débattre, d'être tout d'un coup dans un élan de vie. Alors évidemment, je n'ai pas pu faire autre chose qu'être bouleversée, qu'être touchée. J'ai passé environ 3 heures debout à côté d'eux, à échanger, à discuter. Et voilà le point de départ de cette aventure. Et voilà pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, tout commence par une histoire, tout commence par une rencontre qui nous transforme. Et c'est aussi finalement ce que je suis venue vous raconter parce que pour moi, la philosophie a été une rencontre. Alors comme l'a dit Marc, j'ai plusieurs casquettes. Et je vais vous les présenter rapidement pour que vous compreniez pourquoi je suis aussi parmi vous. Donc moi, mon point de départ, ça a été la vocation, toujours. Ma vocation, c'est d'être prof. D'aussi loin que je m'en souvienne, je pense que j'avais déjà 4 ans, je voulais déjà être prof, de quoi je ne savais pas, mais j'avais envie de transmettre, d'être dans l'enseignement. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue d'abord prof à la fac, puis prof au lycée. Et puis, je suis un petit peu remontée en arrière, pour devenir prof, alors non pas moi les adolescents restent ma passion, mais en me disant si je les avais eus un petit peu plus tôt, bah, peut-être que ça aurait été encore, j'aurais pu leur insuffler encore quelque chose de différent. C'est comme ça que j'ai créé mes écoles, Montessori, une à Marseille, une à Paris, puis l'accompagnement à d'autres écoles un peu partout en France. Et puis l'autre point, donc il y a l'enseignement, il y a la création d'écoles avec une vision d'entrepreneuriat, et puis le dernier volet, ce sont effectivement, Marc le rappelait, les livres. Là, je suis en train, en confinement, d'écrire mon troisième, même si l'esprit est parfois un peu ailleurs, mais j'essaye d'avancer. Mais le fil conducteur entre toutes ces activités, il est celui que je suis venue essayer de partager avec vous aujourd'hui. Le fil conducteur, il est de dire que la philosophie, ce n'est pas cette matière un peu pénible, dont on a parfois un mauvais souvenir en terminale, hein, qui nous a peut-être... pas plus la dissertation, un prof un peu chiant, des concepts compliqués, quelque chose d'aride, d'élitiste, de parfois aussi d'extrêmement... on se sent très à l'écart, en fait, et des termes, et du langage, et de la manière dont c'est transmis. Pour moi, c'était pas ça, la philo. Pour moi, c'était cet espace. C'est cet espace où, dès qu'on fait un pas de côté, dès qu'on prend quelques minutes pour décortiquer, pour analyser, pour voir ce qui se passe, voir ce qui nous traverse, on est déjà en train de faire de la philo. Alors là, Marc m'a envoyé un message pour me dire qu'on était plus de 500 inscrits. Eh bien, je peux vous dire sans aucune démagogie
qu'on est 500 philosophes. Alors, pas experts, je ne vais pas te vous demander à la fin, dans le temps de questions, de faire une disserte ou de me rédiger une intro, absolument pas. Je ne vais pas vous demander de devenir spécialiste ni de Kant ni Spinoza, mais je suis absolument convaincue, et c'est ce que j'ai envie vraiment de vous dire aujourd'hui, que dès lors qu'on prend le temps en fait, de résister à cette accélération, à ces injonctions, à ce monde qui parfois nous dépasse, et qu'on se met juste à distance. Alors attention, je vais vous raconter, hein, ça ne veut pas dire qu'on se met en dehors du monde, ça veut juste dire qu'on prend le temps de le regarder et d'essayer de le comprendre et de l'analyser. Et bien dès lors qu'on fait ça, ça peut être sous la douche, ça peut être en coupant des carottes, ça peut être en écoutant, en se parlant là, pendant 30 minutes, ou parfois quand on est dans un café avec un ami et que tout d'un coup on sort un peu de la banalité, du factuel, et qu'on est tout d'un coup, qu'on atteint ce point de rencontre, en fait, ce moment profond où on se dit des choses qui nous tiennent profondément à cœur, bien on est déjà en train de faire de la philosophie. On est déjà en train de regarder ce monde qui vient et en essayant de l'appréhender. Alors évidemment, dans mes livres, dans mes deux premiers livres, dans « Quand tu ne sais plus quoi faire » et dans le deuxième, « Descartes pour les jours de doute », à chaque fois je présente des situations de la vie quotidienne et 12 philosophes pour y répondre. Et les regards des philosophes sont juste, en fait, des propositions. Ce n'est pas du tout une leçon, ce n'est pas du tout une morale, ce n'est pas du tout être d'accord ou pas d'accord, ce n'est même pas viser une vérité, c'est juste une proposition. Donc, par exemple, les situations que j'évoque, c'est quand on est chez Ikea, et vous avez tous déjà été chez Ikea, sans doute, et puis on est submergé, on est là, c'est un samedi après-midi, il y a des gens absolument partout, on se balade dans les rayons, on attrape un truc, on en attrape un autre, on ne sait plus pourquoi on les a attrapés. Typiquement ce qui, moi, m'est arrivé. Et j'arrive à l'espace libre-service chez Ikea, et là, je me mets à pleurer. Bon, je devais être particulièrement sensible ce jour-là, je vous l'accorde, je ne pleure pas sinon, en général, quand je suis chez Ikea. Et tout d'un coup, je me suis dit à quoi je pourrais penser. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de retrouver mon alignement, de retrouver un ancrage? Et à ce moment-là, j'ai pensé à Spinoza. C'est l'avantage quand on est prof de philo, c'est quand on fait mal, on pense à Spinoza. Et je me suis dit, mais c'est peut-être ça la philosophie, pas autre chose que ça. C'est-à-dire tout d'un coup, comme un rayon de soleil, que là je ressens, comme un rayon de soleil, les philosophes sont juste une manière de voir autrement, d'adopter un autre prisme. Donc je traverse j'ai décrit plein de situations, que ce soit préparer un défi, que ce soit la mort de quelqu'un, que ce soit une épreuve de courage, plein de situations qu'on a tous vécues, que ce soit se faire larguer dans un café, qu'on a tous plus ou moins vécu. Je n'ai pas dit que tout était autobiographique. Et à chaque fois, je propose le regard, mais je ne m'étais jamais, en fait, attendue à traverser une telle crise que le confinement. Et ça, c'était particulier, c'est-à-dire que quand on a la première semaine, quand on est arrivé dans cette situation si singulière et si étrange que d'être chez nous, que de voir, en fait, le monde totalement nous échapper, que d'avoir une contrainte extérieure qui, pour autant, déborde vraiment sur notre quotidien, sur nos pratiques, que devoir faire une attestation pour sortir, que de devoir être privé des gens qu'on aime, être dans cette situation de manque. Et bien tout d'un coup, je me suis dit, c'est incroyable à quel point la philosophie est précieuse à ce moment-là. Et je dis précieuse absolument pas en voulant prêcher pour ma paroisse, hein, et vous disant, ce serait facile de vous dire, ah bah évidemment, je porte mon t-shirt éducation philosophique, la philosophie va tout régler. Non, absolument pas, justement. Dans cet étrange confinement, alors je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi l'évolution des semaines. La première semaine, on avait quelque chose de presque de l'ordre de la sidération. Émotionnellement, on était pris dans un flou, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oh là là, mais je vais faire un projet de confinement, mais il y aura ceci, il y aura cela. La deuxième semaine, on a eu pour certains de la colère et beaucoup d'inquiétude, eu égard à l'état du monde, eu égard à la disparité entre les situations des uns et les situations des autres. Donc, vraiment quelque chose de très, qui nous prend aux tripes et qui nous questionne. Et puis, peu à peu, tout ce chaos d'émotions est devenu peut-être une certaine forme, non pas d'habitude, mais en tout cas, on a réussi à trouver un peu plus d'espace en nous, hein, d'espace cérébral, pas d'espace dans nos appartements qui font le même nombre de mètres carrés, mais d'espace cérébral. Et c'est là où, justement, commence le questionnement philosophique. Et c'est là où je suis convaincue que la philo, alors pas forcément, vous allez voir, hein, je ne parle pas uniquement de la lecture des auteurs.
Parce qu'il y a toujours quelque chose de difficile. D'ailleurs, on a une capacité de concentration en ce moment qui est quand même un peu plus limitée. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est le cas. Mais par contre, non pas tant dans la lecture philosophique que dans le questionnement qu'il suppose. La philo, plus que n'importe quelle autre discipline, c'est l'accueil de l'incertitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de résoudre, il n'y a pas une volonté d'essayer d'aller vers quoi que ce soit, ni toujours d'ailleurs vers la vérité absolue, ni même vers une fin toujours heureuse. Mais la philo est une sorte de danse, et j'emploie vraiment volontairement le mot danse, une sorte de corps à corps avec plein d'impossibles, avec plein de paradoxes, avec tout ce qui tout d'un coup nous traverse, qui suis-je, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui au fond, qu'est-ce qui me choque dans ce confinement, qu'est-ce qui me choque dans les décisions du gouvernement, qu'est-ce qui me touche, quel est cet élan en moi. En fait, la philo, il faut vraiment le comprendre, et moi la façon dont j'ai envie de la transmettre en tout cas, comme cette écoute active, une écoute fiévreuse, sincère, de toutes nos contradictions. Et c'est ça qui est important, c'est que la perspective philosophique, elle n'est pas de résoudre quoi que ce soit, elle est vraiment de regarder tous les mouvements de l'âme, tout ce qui va tout d'un coup traverser notre esprit. Et même si ce sont des choses contradictoires, et même si ce sont des choses confuses, c'est être capable vraiment d'observer ce qui nous traverse. Qui suis-je? Moi qui pense. Et là, je m'arrête volontairement un instant, quelques secondes, pour que là, tous ensemble, on se pose cette question-là. Qui suis-je, moi qui pense, parfois tout et son contraire? Est-ce que c'est toujours facile d'être si certain de nos agissements? Qu'est-ce qu'on doit faire de ces doutes? Qu'est-ce qu'on doit faire de ces tensions en nous? Et en fait, la philosophie, c'est aussi la considération de ce conflit. Un conflit qui renonce à la violence, hein, qui choisit le dialogue, qui choisit justement la structure fondamentale de la pensée, mais qui est vraiment dans ce corps à corps. Il y a un texte que j'aime beaucoup de Paul Ricoeur qui dit « Il ne faut surtout pas lâcher prise ». Et c'est étrange parce qu'on est dans une société où beaucoup on valorise le lâcher prise, l'acceptation, le temps présent. Alors, ça ne veut pas dire que la philo est contre l'idée du temps présent, hein, je vais en parler un peu après. Mais il y a cette idée, en tout cas, de ne pas être dans la lâcher prise et d'aller jusqu'au bout de la tension en nous, d'aller l'observer. Je dis de temps en temps, alors peut-être, je dis que la philosophie, c'est mettre les mains dans le cambouis. Et c'est cette idée-là, c'est-à-dire aller regarder les points qui sont vraiment des points de tension, qui sont parce que c'est là où se situe la réflexion. Ce n'est pas dans une résolution facile, ce n'est pas dans l'immédiateté, c'est au contraire dans ce qui est délicat en fait, dans ce qui nous anime profondément. Et c'est ce va-et-vient en fait, c'est dans cet inconfort que la philosophie joue son rôle, parce que c'est dans cet inconfort qu'elle va nous aider à trouver du confort. Et c'est exactement, et ce confinement, on ne va pas se le cacher, hein, j'aimerais vous dire le contraire, mais même s'il est vécu d'une manière très subjective hein, pour chacun d'entre nous, mais il y a quelque chose d'inconfortable. Inconfortable parce que même si on est bien chez nous, alors ce n'est pas le cas de tous, mais même si nous, on peut être bien chez nous, et même si on peut avoir trouvé un rythme de travail ou d'activité, il y a quelque chose d'inconfortable parce qu'il y a quelque chose de profondément inhabituel qui vraiment on ne sait pas la crise économique, sociale, politique que ça suppose, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, comment on va gérer la crise sanitaire. Donc il y a quelque chose vraiment d'inconfortable. Et la philosophie est cette proposition à aller regarder l'inconfortable et à essayer à chaque fois de nous situer là-dedans. Voilà, comment je me situe par rapport à cet inconfortable? Qu'est-ce qui est inconfortable pour moi? Quelle structure je vais proposer pour répondre à cet inconfortable? Pour essayer vraiment de me positionner. Et donc c'est une sorte de va et vient. C'est ça que j'essaye de vous décrire. C'est très imagé hein, et j'utilise beaucoup une terminologie corporelle, mais parce que quand je dis va et vient, quand je dis cette danse, c'est ça. C'est exactement comme quand on a une position dans le sport ou dans le yoga un peu désagréable et qu'on s'efforce quand même à respirer. Bien, la philosophie, c'est cette respiration dans cette zone de tension. C'est quand nos tristesses vont répondre à nos espérances. Et c'est la vérité qui tout d'un coup, non pas ne surgit pas, n'est pas forcément à viser, mais c'est la vérité qui va être mise en commun.
les uns avec les autres. Parce que si on fait tous ce travail philosophique, si on est tous dans cette volonté-là de profiter, et je dis vraiment profiter de ces quelques semaines qui nous restent, pour être dans ce questionnement de comment nous redéfinir intimement et collectivement. Comment opérer ce mouvement, justement, cette conversation, d'abord entre moi et moi, entre moi et mes contradictions, mais aussi entre moi et les autres. Ce qu'on est en train de faire lors de ces universités de l'engagement, l'idée, c'est d'écouter d'autres paroles, des paroles qui peut-être sont très différentes des nôtres, ou peut-être qui font écho aux nôtres. Mais c'est dans ces mouvements de conversation, une fois qu'on aura fait ce travail de redéfinition, de positionnement, d'alignement, qu'alors ça va nous mener à l'action. Parce que ça, c'est l'autre point qui me tient profondément à cœur. C'est qu'on a l'image, et parfois à juste titre, que la philosophie, c'est quand même bien sympa, mais c'est parler, pour ne pas dire toujours grand-chose. Les philosophes et la posture des philosophes, et moi, je l'ai même vécu parfois en faisant mes études, il y a un côté très pensif, je prends la parole, je suis devant mon tableau noir, alors bon, en l'occurrence, je suis devant ma toile de Jouy, mais devant mon tableau, et je prends la parole, et je manipule des concepts abstraits, et ensuite. Et bien pour autant, cette image de la philo ne correspond non seulement pas à la vision que j'ai moi, mais ne correspond pas à la philo telle qu'elle a été pensée, par exemple, dans la philosophie grecque. Ou au contraire, la philosophie doit mener à l'action. La philosophie est un élan vers l'action. C'est penser sa vie, vivre sa pensée. Donc, c'est vraiment deux temps particuliers. Et ce temps de confinement, qui est un temps philosophique, et qui est le temps justement des questions, d'aller puiser au cœur de nous-mêmes et au cœur de nos tensions, pour trouver une cohérence qui va nous permettre d'agir avec plus de vivacité, d'agir avec plus d'action, d'agir avec vraiment une volonté plus aiguisée de prise de position dans le monde. Nous sommes tous acteurs du monde dans lequel nous vivons. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit « Oui, mais en fait, moi j'ai très peur de ce qui va se passer en sortant du confinement, j'ai très peur politiquement, j'ai très peur économiquement, etc. » Et je comprends ces peurs, je ne suis pas du tout en train de les balayer. Simplement, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de se dire qu'on est tous acteurs de ce monde. C'est-à-dire que ce n'est pas, j'ai toujours eu du mal, et même dans mon enseignement, quand on parle de la culture, quand on parle de la politique, quand on parle comme si c'était une masse, une substance en fait, qui nous échappait. Non, la culture, la politique, l'engagement, l'action, c'est au cœur, c'est en chacun de nous. Et plutôt que de grands récits, plutôt que des grands récits collectifs, plutôt que des grandes perspectives, je crois profondément à la micro-action. C'est-à-dire à la capacité, pour là, tout le monde, chacun d'entre nous, de prendre sa part. Alors c'est une idée qui est très répandue dans l'idée du colibri, chacun la petite goutte, mais pour moi c'est encore plus profond que ça. C'est prendre sa part par rapport à ces idées et ces idées qui conduisent à l'action. Quelles sont, si là on s'arrête, si là on avait la possibilité, si on était dans la vraie vie et si j'avais la chance de vous avoir là de visu incarné en chair, si là on faisait circuler un micro et que je vous disais « Ok, vous, qu'est-ce qui compte pour vous ?» Quelle est profondément la vision que vous voulez porter? Quel est ce qui vous habite, en fait? Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Et c'est ça dont je parle. Et la philosophie, c'est ce qui nous permet d'être cette passerelle, ce point de jonction. Alors, quand je vous disais, c'est pas les auteurs, c'est juste que c'est pas du tout négliger l'apport intellectuel de la philosophie. C'est juste qu'une fois qu'on a ce questionnement, une fois qu'on a cet élan en nous, évidemment, le regard et le savoir va nous permettre de le nourrir, d'y mettre peut-être plus d'exigence, de l'affiner, de le nuancer, d'aller plus loin dans nos raisonnements. Et donc, le savoir devient non pas quelque chose de l'ordre de l'accumulation. Moi, ce qui parfois me dérange dans le système scolaire et dans le système scolaire classique, c'est qu'on présente le savoir comme une accumulation de données, comme juste des données qui se succèdent en mille feuilles. Alors, les bons élèves, c'est super, vont tout apprendre. Bon, est-ce qu'ils s'en souviendront, ça c'est autre chose, mais on accumule. Et souvent, l'image qu'on a de la philosophie en terminale, c'est ça. Sauf si vous avez eu un prof particulièrement emballant. Mais c'est cette idée qu'on est dans une accumulation de notions. Alors, sur le langage, tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça, on fait des fiches. Et du coup, évidemment qu'il y a quelque chose de très aride et de très frustrant
enfants, parce qu'il y a plein d'élèves qui me disent « Oh, mais moi, je pensais qu'on allait penser, je pensais que j'allais penser par moi-même en terminale, et en fait, j'ai juste fait des fiches. » Parce que, justement, on a trop souvent tendance à présenter le savoir comme une accumulation. Là, c'est l'inverse. C'est de dire d'abord « Posons-nous la question. Prenons ce pas de côté, ce recul, allons faire ce mouvement d'introspection, d'écoute. » Pas toujours agréable, parce qu'en fait on se rend compte quand on va chercher en nous qu'il y a des choses, comme je vous le disais, qui ne sont pas toujours extrêmement comment dire, qu'on n'a pas toujours envie de voir. Et pour autant, une fois qu'on les découvre, on peut les dénouer, les travailler, et c'est seulement à ce moment-là que le savoir en fait arrive. C'est seulement à ce moment-là que le savoir vient vraiment nous donner de l'épaisseur, vient nous apporter une lumière, et qu'on peut plonger parmi les différents philosophes et se rendre compte de cette chose absolument incroyable, c'est qu'on est, il y a un lien dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ça aussi. Et je voulais vous raconter ça parce que il y a 3 jours, je relisais Épicure, parce que je préparais quelque chose en philosophie, et je préparais quelque chose sur le jardin, donc sur Épicure. Donc Épicure, on est dans de la philosophie grecque. Il faut imaginer Épicure qui se balade dans son jardin toute la journée. Alors quand on est en confinement, c'est assez formidable d'imaginer un mec qui se balade dans son jardin tranquillement. Et je relisais ses écrits, et tout ce qu'Épicure nous raconte, c'est quelque chose qui répond à ce que nous sommes en train de vivre. Plus de 2000 ans nous séparent, et pour autant, à peu de choses près, les problématiques sont exactement les mêmes. La question du désir, la question de la liberté, la question de l'autorité, la question du bonheur. Et au fond, il y a la philosophie, et pourquoi c'est intéressant de plonger dans le savoir de cette façon-là, c'est qu'on se rend compte qu'il y a dans l'histoire de l'humanité un fil conducteur qui fait que l'humain est toujours habité en fait par des questions en commun. Alors évidemment, les systèmes changent, les systèmes politiques changent, les traditions changent, la culture change, et pour autant, c'est comme s'il y avait un socle qui est partagé par chacun de nous. Et souvent, quand on me demande la différence entre la psychologie et la philosophie, alors il y aurait 1000 choses à dire, hein. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à penser. Je pourrais vous parler pendant 3 heures, je serais un immense plaisir d'ailleurs, mais je serais contente à un moment d'avoir des interactions avec Marc quand même. On me demande souvent la différence entre les deux, et je dis très brièvement, la psycho c'est qui suis-je, la philosophie c'est qui sommes-nous. Alors, on pourrait émettre des contradictions à ce que je viens de dire, mais pour autant, je crois beaucoup en ce « nous ». Je crois beaucoup que la philosophie nous permet, en ayant chacun un mouvement introspectif, ensuite de mettre en commun et de construire un « nous ». Et finalement, c'est ce que vous faites dans l'Institut de l'engagement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques lauréats, vraiment de les rencontrer, hein. Et là, je pourrais aussi, je suis non seulement philosophe, mais extrêmement émotive aussi, je pourrais en parler pendant des heures, parce que ça a été des rencontres absolument bouleversantes, vraiment, qui me touchent et qui m'habitent. Et je crois que dans toute cette singularité, dans tous ces profils, dont on dit que ce sont des profils parfois quand même non seulement singuliers, mais parfois atypiques, en tout cas qui ne correspondent pas à une image toujours très normée, ni de la scolarité, ni de l'existence, eh bien chacun de ces profils construit un nous, et habité par une force d'action et une force de penser l'universalité. Et c'est ça qui est absolument passionnant. C'est-à-dire que vraiment, la philosophie a pour visée cette universalité, ce quelque chose que nous avons en commun, ce dialogue qui nous permet de vivre avec nos impasses, de nous ajuster en permanence, de dialoguer pour ne jamais nous figer. Il y a une phrase de Samuel Beckett, qui est un auteur que j'adore, et qui dit « À quoi tu sers à me donner la réplique ?» Eh bien finalement, c'est ça, c'est ce mouvement philosophique, c'est penser pour agir, penser pour mieux dialoguer, et in fine, penser pour construire un nous. Alors quand je regardais Épicure dans son jardin, Épicure disait que finalement, pourquoi Épicure est quelqu'un que je vous conseille d'ailleurs de lire en confinement. En plus, c'est accessible, ces textes, même si vous ne les avez pas, sont accessibles sur Internet, notamment la lettre à Ménécée. Et Épicure nous explique qu'une des plus grandes peurs, il identifie en fait 4 peurs chez les hommes, 4 peurs profondes. Et alors, ce qui est génial chez Épicure, parce que ça, c'est quand même l'ambition de la philosophie grecque, c'est qu'il se propose d'y répondre. Donc c'est très pratique,
il désigne les quatre peurs les plus profondes de l'homme et il propose totalement d'y répondre dans quelque chose. Et donc cette réponse, ça s'appelle le tétrapharmacon, le quadruple remède. Tétra 4, pharmacon, remède, ce qui a donné le mot pharmacie. Alors je vous l'ai dit très très rapidement, avant de vous laisser la parole pour ces questions, mais vous allez voir, ça m'a fait réagir. La première peur de l'homme, qui habite tous les hommes, c'est la peur des dieux. Alors par dieu, il faut entendre, pour Épicure, la peur d'une puissance supérieure. Ce n'est pas le dieu tel que thématisé par les monothéismes, c'est vraiment une puissance supérieure, une forme de destin. Alors Épicure nous règle le problème en disant, ben non, alors vraiment, non, il ne le dit pas tout à fait comme tel, mais imaginez Épicure dans son jardin, je fais aussi acteur studio aujourd'hui. Épicure nous dit, mais les dieux n'ont pas que ça à faire en fait que s'occuper des hommes. Ils sont beaucoup trop parfaits, ils ont beaucoup trop de travail, donc ils n'ont pas besoin de se considérer la vie sur Terre. La deuxième crainte, c'est la crainte de la mort. Alors une crainte majeure, hein, je pense qu'il y a une crainte effectivement répandue. Et Épicure la règle en nous disant, finalement, la mort, qu'est-ce que c'est? C'est une absence de sensation, c'est l'arrêt des sensations. Donc on ne craint pas de ne plus ressentir, donc pas besoin de craindre la mort, puisque de toute façon, on ne sera pas là pour la vivre, puisqu'au moment où on meurt, c'est l'arrêt de tout. Donc pas besoin de la craindre, puisque de toute façon, c'est un moment qui va nous échapper. Donc il a cette simplicité, cette façon, alors on n'est pas obligé d'être d'accord, hein. D'ailleurs je ne le suis pas totalement, mais en tout cas il y a l'idée de ne plus craindre, c'est quelque chose qui finalement, qu'on ne sera pas totalement là pour vivre, puisque c'est l'arrêt des choses. La troisième crainte, c'est la crainte de la souffrance. Alors pour Épicure, la crainte de souffrance, comment on y répond, comment on la résout? En imaginant que la souffrance, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper à la souffrance, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, on ne peut pas y échapper quand elle survient. Alors comment faire plutôt pour y faire face? Épicure nous propose deux mouvements. Soit le premier mouvement, c'est de dire « ce moment aussi passera ». Tout passe et tout finit d'une manière ou d'une autre par passer. Et donc, même quand on est dans une souffrance physique ou morale, il faut avoir la certitude d'un élan vers, sortir du temps présent, qui là aussi est inventé, pour être dans un élan vers autre chose. Vers, voilà, ça passera, on ira. L'autre perspective d'Épicure, c'est de nous proposer le souvenir. On a été bien. On a été en dehors de souffrance. Et donc, se raccrocher à cette perspective, en fait, on a réussi à être au-delà de la souffrance. Donc, pour Épicure, ce moment aussi passera, ou le souvenir, cette plongée en fait dans nous, notre capacité à penser le futur ou à penser le passé, nous permet d'atténuer la souffrance du moment présent. Et la dernière crainte, alors je vous l'ai dit très rapidement, il y aurait à nuancer, mais c'est juste pour que vous ayez une idée, et la dernière crainte, c'est la crainte de ne pas être heureux. C'est quand même une crainte là aussi majeure chez l'homme, mais qu'on a tous, par laquelle on est tous traversés. Et là, Épicure, et c'est pour ça que je voulais terminer sur cette notion-là, nous dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? C'est pas attendre quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas attendre frénétiquement sur son téléphone en se disant, oulala, quand est-ce que c'est le déconfinement? Oulala, mais comment ça va être? Oulala, toujours vouloir plus, vouloir, en fait, à attendre des autres, de l'autre, de l'extérieur, quelque chose qui nous permettrait d'être heureux. Pour Épicure, au contraire, c'est l'idée de dire, le bonheur, c'est juste deux choses. La paix du corps, la paix de l'esprit. Donc être juste, alors c'est bien la paix, hein, ça ne veut pas dire forcément une idée très contemporaine du bien-être, c'est juste paix du corps, paix de l'esprit, comme après une grosse séance de sport, quand on est un peu qu'on s'allonge sur son lit et qu'on est juste là, être bien. Et cette paix du corps et cette paix de l'esprit, on y parvient, alors évidemment, hein, en dehors de la maladie, qui est une autre question, mais cette paix du corps, cette paix de l'esprit, on y parvient quand on arrive à être juste là. Et pas être dans une... C'est pas qu'une question d'accepter les choses, c'est juste se dire que ce bonheur, on l'a en nous. On a cet ancrage en nous. On a toujours cette capacité, en fait, à aller trouver nos ressources qui nous permettent de nous dire, mais bien sûr, je suis là, je suis à peu près en bonne santé, je suis capable d'être sur mes deux pieds, ancrée, là, paisible. Et je suis capable aussi de mobiliser moi-même volontairement ce calme dans ma tête en me disant que finalement, les choses extérieures ne dépendent pas de moi, mais moi, je dépends de moi-même. Et donc là, ce qu'il y a de beau chez Épicure dans cette lettre à Ménécée, c'est l'idée que
même si on n'est pas dans son jardin, ce qu'on préférerait sans doute, on a cette capacité, là, tous ensemble, à s'arrêter une seconde et se dire, bah, je peux être là, je peux être là, et je peux être bien, et je peux être dans le bonheur, parce que je n'ai pas besoin des choses extérieures, je suis juste. Et c'est ça la philosophie, c'est aussi cette capacité, alors je vous l'ai beaucoup décrite, hein, mais cette capacité à être en présence, en fait, avec sa pensée, et considérer que cette pensée est déjà le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire. Je vais terminer par la lecture et après je vais accueillir avec grand plaisir vos questions par la lecture d'un tout petit texte qui, moi, m'a porté, m'a habité et que je voudrais juste vous soumettre pour conclure cette petite vision philosophique en confinement. C'est d'un prof qui s'appelle Pierre Hadot, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur et qui dit ceci. La philosophie ne consiste pas dans l'enseignement d'une théorie abstraite, encore moins dans une analyse de texte, mais plutôt dans un art de vivre, dans une attitude concrète, dans un style de vie déterminé qui engage toute l'existence. L'acte philosophique ne se situe pas seulement dans l'ordre de la connaissance, mais dans l'ordre du soi, de l'être. C'est un progrès qui nous fait plus être, qui nous rend meilleurs. C'est une conversion qui bouleverse toute la vie, qui change l'être de celui qui l'accomplit. Donc un petit texte de Pierre Hadot, et j'aime beaucoup cette idée de la philosophie comme une manière de vivre, comme une conversion qui nous transforme, qui nous change. Et peut-être que ce confinement va nous permettre plus que jamais de plonger dans cet élan philosophique qui est une conversion qui nous change, et en sortant, de permettre d'encore plus agir et d'encore plus s'engager. Merci. Marc, je te laisse la parole. Alors, je t'entends pas, Marc. Ah, j'espère voilà. J'espère que tu m'entends et j'espère que vous m'entendez. Merci infiniment. Mathieu me transmet en direct des photos d'écran des Facebook. Et je suis un vieux monsieur, donc j'ai beaucoup de difficultés à lire, mais je vais essayer de m'adapter. Il y a beaucoup de réactions et beaucoup de remerciements. Je vais regrouper un certain nombre de questions et revenir aux peurs. Tu as parlé de la philosophie comme une introspection. Et Sylvain, Arthur, Steve répond d'ailleurs à Sylvain et Arthur, se demandent si l'introspection ne risque pas de susciter aussi soit de l'égoïsme, soit des angoisses, et peut-être particulièrement dans des périodes difficiles comme celles que nous connaissons. Alors, c'est une super bonne question, parce qu'effectivement, un des mouvements quand on est dans l'introspection, et je le disais d'ailleurs quand je disais, c'est pas très agréable. C'est-à-dire que l'introspection génère quelque chose d'agréable, parfois de très désagréable, parce que tout d'un coup, c'est vertigineux. D'ailleurs, l'élan métaphysique, pour rien vous cacher, les philosophes ne vont pas toujours très bien. Quand on prend les vies de Kant, de Descartes et de Nietzsche, on n'a pas hyper envie toujours d'être philosophe. Cependant, je vais quand même répondre. Alors, pour moi, il y a deux questions qui se dessinent. D'abord, il y a qu'est-ce que ça veut dire alors, quand on parle d'angoisse, de peur, d'anxiété, il faut déjà, en termes de nom, faire la différence entre les deux. L'anxiété, c'est quand il y a quelque chose qui nous perturbe, mais on n'a pas toujours la possibilité de mettre un mot dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose de diffus, de pas très agréable, où on ne sait pas trop, on n'est pas bien, mais on ne sait pas mettre de mots dessus. Alors, de temps en temps, l'anxiété modérée, elle est positive parce qu'on va aller chercher des ressources pour justement nous réaménager. Alors, ça peut être des trucs idiots, hein, mais ouvrir la fenêtre, aller faire une balade, s'aérer, c'est une manière de lutter contre l'anxiété que de se réaménager. La peur, c'est cérébralement, c'est ça, hein, c'est lutter contre quelque chose de concret. La peur, le problème, c'est que tant qu'on ne la regarde pas, elle est là. Tant qu'on ne la regarde pas en face, on a toujours l'impression, si on met à l'écart sa peur, on a toujours l'impression, c'est vraiment le cerveau reptilien, hein, qu'il y a un grizzly, alors un grizzly ou autre chose, hein, j'ai le grizzly en tête, qui court après nous et qu'on est en danger. Et donc la seule manière de faire face à la peur, c'est d'aller vraiment regarder quelle est notre peur et de mettre des mots dessus et de revenir
dans le langage et dans la verbalisation. Donc, quand je dis ce passage introspectif, il y a l'idée de dire, ok, ça génère des angoisses, mais ces angoisses, si on ne les considère pas et si on n'y met pas des mots, elles vont être encore plus dévorantes. Alors l'introspection, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être accompagné, qu'on ne peut pas partager, qu'on ne peut pas appeler quelqu'un, faire un zoom et pas se dire, ok, attends, moi je suis hyper, hyper flippée de ça. Et toi, qu'est-ce que t'en es? L'introspection, elle n'est pas juste être seul dans le noir, chez soi, en se disant, le monde va s'arrêter peut-être le 11 mai. Non, il y a vraiment cette idée de juste aller regarder et c'est pour ça que des groupes de discussion, des groupes d'échange sont passionnants parce que c'est une introspection, parce qu'on va puiser en nous, mais c'est une introspection qui est partagée. Sur la deuxième question qui était de dire est-ce que ça ne peut pas conduire à l'égoïsme, j'ai envie de dire tous les gens qui vont vers l'égoïsme, introspection ou pas, seront égoïstes déjà, mais au contraire, je crois qu'on peut se dire, j'ai envie d'y croire, et moi c'est mon élan, hein, totalement. Je disais l'autre jour que j'avais jamais autant lu de philosophie politique qu'en ce moment. Donc moi, au contraire, c'est un élan très collectif. Ce que nous apprend aussi ce virus, c'est qu'on est tous responsables les uns des autres. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est de se dire, en fait, on se rend compte, alors qu'on a construit la figure de l'individu depuis plusieurs siècles, là, on se rend compte qu'on a tous un lien en commun. Alors, bien entendu, l'introspection, c'est un retour vers soi. Mais ce retour vers soi, c'est pour être plus aligné et plus en contact, plus en dialogue avec les autres. Plus je suis capable moi-même de me sentir ancrée, plus je me sens capable justement de m'engager eu égard aux autres. Donc bien sûr que ça peut conduire vers l'égoïsme, mais ça peut aussi conduire vers ce qu'il y a de plus beau, quoi, d'être ensemble et de s'engager. Être ensemble et s'engager, tu as esquissé une réponse à une des questions qui est posée. En disant que la psycho répondait à la question « qui suis-je » et que la philo répondait à la question « qui nous sommes », Sofiane se demande quelle est la différence entre la psychanalyse et la philo. Mais j'adore ces questions. Ils sont vraiment, moi, l'Institut de l'engagement, en fait, je pourrais passer ma vie avec vous parce que j'adore ces questions. Magnifique. Alors, en fait, c'est très intéressant parce que il y a cette même idée, il y a une idée vraiment commune. Alors, la philosophie avant la psychanalyse, hein, mais il y a l'idée en commun de l'analyse. C'est-à-dire de l'idée de, on est en train, c'est comme si il y avait une grosse pelote et qu'on enlevait les fils de la pelote et qu'à l'intérieur, il y avait un caillou et que ce caillou, on allait le polir. Ça, c'est l'image vraiment de la psychanalyse. C'est-à-dire d'aller toujours, toujours, toujours plus loin, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur. Ça, c'est la démarche psychanalytique. Un peu très imagé, hein, mais c'est cette image-là. L'idée de la philo, on est dans ce même élan qui est d'analyser et de polir et d'aller au cœur de la réflexion, du concept, de la nuance. Simplement, la différence entre les deux, c'est que la psychanalyse va plonger dans le passé de l'individu, donc est toujours, toujours strictement liée à une personne, à son histoire, à la somme de ce qu'il est, à la somme de ce qu'il porte, à son passé, à sa culture, à sa famille, à son... Parfois même, en psychanalyse, on peut aller au-delà d'ailleurs, même dans la psychogénéalogie, hein, remonter bien avant. La philo, il y a toujours, et c'est pour ça que je dis le nous, il y a toujours cette ambition collective. C'est-à-dire que la philosophie est vraiment, quand on dit la philo, c'est l'amour de la sagesse, la philosophie naît dans la cité grecque, naît dans la polis. On fait de la philo sur l'agora. On fait de la philo en étant ensemble. L'origine même, c'est l'étonnement. Donc, il y a toujours ce mouvement de moi et le monde. Et c'est ça qui est particulier dans la philo. C'est qu'on va analyser, mais on va analyser pour un retour au monde. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on a pas mal oublié dans la philosophie, dans la construction de la philo moderne. On a oublié, en fait, un peu trop à quel point la philo, c'était cet élan vers le monde. Camille, et je le dis au passage, et je le dis pour les lauréates et les lauréats qui ont eu la chance de la voir sur scène, Camille est une danseuse incroyable qui a fait un spectacle. Elle est une danseuse en fauteuil roulant et qui, à Autran, sur le plateau du Vercors, avait fait quelque chose de merveilleux qu'elle a reproduit ensuite sur la scène de l'Institut du Monde Arabe. Et donc Camille se demande si la philo, c'est pas... Je caricature beaucoup sa question. Elle la pose avec beaucoup plus de pondération que ce que je vais faire. Et globalement, si ce n'est pas un truc de riche, un truc de luxe,
pour occidentaux et est-ce que c'est quelque chose d'accessible pour ceux qui sont dans des pays moins dotés et plus confrontés à des difficultés? Alors, c'est une question complètement légitime. Et encore une fois, je vais répondre en disant, en fait, c'est l'apprentissage de la philo tel qu'on en a fait aujourd'hui. C'est-à-dire que la philosophie aujourd'hui, et je vais aussi caricaturer, mais l'image qu'on en a, c'est de l'homme blanc, occidental, globalement bourgeois, hétérosexuel, bien né. Et j'insiste sur l'idée homme, parce qu'il faut quand même imaginer que la philosophie aujourd'hui est quand même essentiellement masculine. L'année dernière, enfin chaque année, hein, aux agrégations de philo, 29 personnes l'ont eu, 28 hommes. Donc il y a cette image-là, il y a cette image de la pensée et de la rationalité comme quelque chose non seulement de masculin, mais de privilégié. Parce qu'effectivement, il faut avoir le temps pour penser, les concepts sont compliqués, les concepts sont jargonnants, pas accessibles à tout le monde. Ça, c'est la vision de la philo telle que l'a diffusée le système scolaire. Parce qu'il faut bien se dire que cette vision-là, on l'a aussi diffusée à travers un système scolaire. La philo dont je vous parle, de se poser la question, de la remettre dans le quotidien, de redéfinir ses valeurs, de redéfinir ses clichés, n'est plus que jamais essentiel, au contraire, pas en utilisant un jargon et pas en utilisant le texte, mais se poser la question de qu'est-ce que je veux, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui me détermine. C'est pour moi un enjeu mais fondamental. Et on se rend compte d'ailleurs, moi je fais beaucoup de philo dans les quartiers nord de Marseille avec des très jeunes enfants, entre 6 et 7 ans, et qui sont vraiment dans des familles où le mot même philosophie, pour certains, on ignore totalement ce que c'est. Et bien cette curiosité, tu vois ces enfants de 6 ans, qui sont dans, et il y a aussi le projet que je vous conseille d'ailleurs de regarder, de la maison de la philo à Romainville. Donc des enfants qui ne sont pas du tout avec un terreau éducatif forcément favorable à cette vision scolaire de la philo, tu les vois se questionner, se demander, bah moi, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Bah moi, à quoi je tiens? Bah qu'est-ce que c'est que le désir? Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Qu'est-ce que c'est le déterminisme? Ils ont 6 ans. Et tu les vois, en fait, c'est une manière de prendre possession, en fait, justement. C'est prendre possession de leur vie, prendre possession de leur vie, vraiment instaurer leur pouvoir. Donc je crois plus que jamais qu'il faut dépoussiérer la philo, la ramener là où elle est, sortir de cette obsession d'histoire de la philosophie et d'expertise philosophique pour juste entraîner, et moi je suis une grande militante du décloisonnement de la philo, pour entraîner les enfants dès le plus jeune âge et quel que soit leur milieu social à être dans la mobilisation de leur pensée. Leur liberté passera par là en fait, par cette capacité non seulement à parler, à avoir une argumentation et à trouver leur cohérence pour agir. Donc c'est une volonté farouche. Ça rejoint des questions de lauréates et lauréats qui se demandent comment eux-mêmes peuvent pratiquer la philo et qui demandent une certaine Alice de Cache-Patajoie que tu connais bien. Comment pratiquer la philo si on n'a pas envie de lire les grands auteurs? Comment se débrouiller si on ne sait pas par où commencer. Et des lauréats qui demandent est-ce que tu aurais des outils et des techniques pour pouvoir philosopher chez soi? Bien sûr. Alors déjà, je voudrais faire un très gros bisou à Alice. Déjà, première chose, et merci pour son initiative de Cache-Patajoie. Eh bien, c'en est un excellent exemple. Pourquoi? Parce que, alors, la première étape, vraiment, alors, comme je le disais, la philo n'est pas une méthode toute faite. Donc, je ne vais pas vous dire, alors, levez-vous à 5 heures, prenez un carnet et notez telle ou telle chose. Je ne fais pas du développement personnel. La philo, c'est juste se dire, OK, là, on peut le faire, hein, prendre quelques minutes et se dire, OK, de quoi j'ai envie de parler? Qu'est-ce que je ressens en moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que c'est que la beauté pour moi? Qu'est-ce que c'est que la politique? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Pour le truc le plus simple, alors là, j'ai beaucoup tapé sur le dos de la manière dont on enseignait la philo dans le système scolaire, mais on peut faire un truc tout simple, c'est prendre les notions, ça on les a tous, elles sont accessibles sur Internet, les notions du bac. Ces fameuses notions de philo au bac, donc voilà, le désir, la conscience, le sujet. Et se dire, OK,
Qu'est-ce que c'est le désir pour moi? Est-ce que c'est un truc dans ma vie qui est un élan vital, qui me permet d'aller justement toujours conquérir un peu plus, me challenger? Est-ce qu'au contraire, c'est un truc qui m'oppresse parce que j'ai toujours l'impression d'être dans un manque, etc. C'est vraiment prendre ces notions et juste se poser la question, comment ces mots résonnent en moi? Si vraiment on n'arrive pas et qu'on a besoin d'un premier élan, ça peut être une idée, en fait, une technique. Et ensuite, une fois qu'on s'est posé la question, on peut appeler quelqu'un et dire « Attends, mais toi, c'est quoi pour toi alors? C'est quoi pour toi le désir? C'est quoi pour toi la liberté ?» Et on peut même ensuite affiner en prenant aussi justement les questions qui sont les fameuses questions de dissertation qui sont trop chiantes quand on doit répondre parce que c'est le bac, mais qui en vrai sont absolument merveilleuses. Moi, j'ai le souvenir d'une question il y a 3 ou 4 ans, d'une question de dissertation au bac qui était « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» Je rêvais d'être étudiante en terminale pour la traiter, mais « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» qui est une question de dissert, magnifique question à se poser, et juste prendre 5 minutes, et je vous dis, ça peut être sous la douche. Hein. « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» sous la douche, pas de problème de se la poser. Donc ça peut être une porte d'entrée. Ensuite, quand on a besoin d'alimenter par des regards d'auteur, il faut vraiment oser la philo. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les textes des auteurs qui est un peu paralysant parce que justement, et c'est vrai, ils nous paraissent hyper compliqués. Et bien, c'est normal que ce soit compliqué. C'est tout sauf l'immédiateté. Un mot après l'autre, on s'en fout. N'ayez pas peur du contresens. N'ayez pas peur de ne pas saisir. C'est comme être un archéologue, en fait. C'est juste, on va aller dénicher comment ce mot résonne en moi, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je comprends, comment je l'interprète. C'est l'éloge de l'interprétation. Donc vraiment, osez ouvrir la philo, c'est pas, ne vous censurez pas, ne vous mettez pas à distance en fait, de la philosophie. Et le mieux pour commencer, c'est peut-être les Grecs, notamment, comme je le disais, les dialogues de Platon ou toute la philosophie grecque, parce qu'il y a quelque chose, ils ont parlé de tout. Donc au moins, on est toujours à l'abri, tout y est, on peut s'arrêter là. Mais surtout, osez et se dire que même si on ne comprend pas, moi, il y a 3 jours, j'ai lu une page d'Heidegger. Je l'ai relu 14 fois. Et pourtant, j'ai fait presque 20 ans de philo. Et je l'ai relu 14 fois parce que je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc vraiment, c'est normal. La philosophie, c'est un cheminement. Question de Sérig qui prolonge les précédentes et qui fait le pont vers d'autres questions que je vais poser en même temps. Sérig se demande comment elle peut faire de la philo avec ses enfants de 4 ans et 1 an. Par ailleurs, Marion, Kitri, Céline, d'autres se demandent d'où vient ton intérêt pour la méthode Montessori, si tu as suivi une formation particulière, ce que c'est que cette méthode exactement, et puis se pose aussi la question de est-ce que les écoles Montessori permettent la transition, avec une inquiétude visiblement autour du CM2, vers le reste du système scolaire, et donc si des passerelles existent, ou si finalement, après avoir été peut-être quelque chose d'intéressant, elle deviendrait quelque chose d'embarrassant pour poursuivre son parcours scolaire. Alors, est-ce que vous avez 5 heures devant vous? Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Non, je vais essayer d'y répondre. Alors, pareil, il faudra, il y aurait plein de choses à dire, mais je vais essayer d'être concise. Alors, le point de départ, c'est de dire qu'est-ce que c'est que la pédagogie Montessori. La pédagogie Montessori, elle a été créée par Maria Montessori, qui est à l'origine une psy italienne, et ça a été créé en 1906. Alors, il y aurait plein de choses à Rome, pour les enfants d'ailleurs d'ouvriers dans les banlieues de Rome. Il y aurait plein de choses à dire, mais je vais résumer les piliers essentiels. Un des premiers piliers, c'est de dire nous avons tous une temporalité différente. C'est-à-dire chacun d'entre nous, nous n'avons pas le même rythme. Le problème d'un système classique, c'est qu'on nous dit de faire un exercice en 8 minutes. Si on le fait en 12, on a l'impression d'être complètement à la ramasse. Si on le fait en 6, on a 2 minutes pour s'ennuyer et pour faire tout un tas d'autres trucs. Donc déjà, temporalité différente, donc parcours individualisé. Donc, dans une classe, au lieu d'être juste tous face au prof, ben chacun travaille individuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments collectifs, qu'il n'y a pas des moments de regroupement, mais chacun travaille individuellement. Deuxième pilier, le passage par le concret, par la manipulation.
Donc, dans une école Montessori, on voit, il y a toujours des étagères avec plein de matériel, selon les différentes aires. La vie pratique, la vie sensorielle, le langage, les maths, la culture. Et on touche, on apprend en touchant. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on s'approprie le savoir, en fait, concrètement. Quand je disais, on a une vision du savoir dans un système classique qui est compliqué, c'est qu'on accumule juste des connaissances. Et parfois, on apprend par cœur, mais honnêtement, on n'a rien compris. Eh bien, et moi, ça a été le cas, par exemple, en maths pendant très longtemps. Enfin, je vous raconterai aussi pourquoi je suis tombée dans Montessori pour une de ces raisons-là. Mais là, en Montessori, on apprend toujours en manipulant. Donc, il y a du matériel très bien fait. Et ce matériel est tellement bien fait qu'il contient le contrôle de l'erreur, ce qu'on appelle le contrôle de l'erreur. C'est-à-dire que c'est l'enfant, l'élève, qui, en manipulant le matériel qu'on lui a présenté, se rend compte s'il a réussi ou non. Et ce n'est pas l'autorité du professeur qui vient lui dire « Ah, tu t'es trompé ». Non, c'est lui qui s'en rend compte et qui a la possibilité de se rectifier. Donc non seulement le passage par le concret, ça nous permet de nous approprier, mais ça permet aussi d'être acteur de son savoir. Troisième point, et peut-être le point parmi toutes les choses qui me tient le plus à cœur dans cette pédagogie, c'est qu'on pourrait résumer en une phrase, c'est « apprends-moi à faire seul ». C'est l'éloge de l'autonomie, c'est-à-dire que ne pas mettre l'élève sous tutelle et sous juste le regard d'un prof qui est sachant et de l'élève qui écoute, non. Le professeur devient un accompagnant, en fait. Il devient quelqu'un qui est juste là pour accompagner l'élève, l'enfant, sur son chemin de vie, et sur ce qu'il est, et sur l'acquisition de son autonomie, et ce, dès le plus jeune âge. Le rendre capable, et quand je disais tout à l'heure, la philo, c'est être acteur du monde, c'est être capable de se rendre compte qu'on a à prendre sa part, eh bien, la philosophie de Maria Montessori est totalement dans ce sens-là. C'est d'autonomiser les enfants pour qu'ils n'aient pas toute la journée à demander à l'adulte ni l'autorisation, ni de pouvoir faire les choses. Et donc voilà dans quoi ça se met en place. Alors effectivement, aujourd'hui, les écoles Montessori, pour la plupart, vont uniquement jusqu'à 12 ans, puisque ça a été très pensé jusqu'à 12 ans. Nous, on est le seul lycée Montessori de France. Et la petite particularité, moi, de mes écoles et de certains établissements, c'est de dire que de respecter le socle scolaire pour justement ne pas perfuser les enfants à une méthode. Si on prône l'autonomie, ce n'est pas pour qu'une fois qu'ils se retrouvent en sixième, ils soient complètement largués. Bien au contraire. Une pédagogie Montessori, bien faite, c'est une pédagogie où les enfants vont avoir confiance en eux, vont être bien ancrés. Nous, on respecte le socle de l'éducation nationale à travers des plans de travail, etc. L'autre point, c'est l'aspect, et je vais essayer de répondre à peu près à tout, mais là, je suis en bonne voie. L'autre point, c'est l'aspect privé de ces écoles, qui pour moi est problématique, parce que moi, je viens fondamentalement du système public, j'y suis viscéralement attachée, et je ne fais pas du tout ça contre le public. Simplement, je conçois nos écoles comme des laboratoires de pensée, des laboratoires pédagogiques. Moi, je peux, effectivement, on a des enfants privilégiés, même si on a deux élèves boursiers par classe, mais on a des enfants privilégiés, mais cet espace, c'est un laboratoire pour penser tout le reste, pour pouvoir proposer des ateliers dans le public, pour pouvoir aider des profs du public à mettre en place la méthode, eux, dans leur classe, en l'adaptant. Donc l'idée, c'est de dire, ok, nous, on a le confort d'avoir une classe avec des classes de 15 enfants et on peut tester plein de choses. On peut être dans une pédagogie toujours, toujours en action pour justement ramener. Et en fait, aujourd'hui, moi, il y a de plus en plus de profs du système public qui mettent en place des choses, qui réfléchissent à leurs pratiques, qui sont absolument admirables, qui viennent se former sur leurs vacances, qui viennent fabriquer du matériel. Et en fait, je crois encore une fois que ce mouvement va venir de là, que ce regard différent sur l'enfant, capable en fait d'autonomie, capable de porter en lui-même son propre chemin et sa différence, viendra aussi de là. Donc ce mouvement viendra de là. Donc moi, mes écoles ont la porte grande ouverte pour ceux qui veulent observer, venir en stage, discuter, venez, et venez vraiment bousculer en fait la pédagogie qu'on a bien besoin. Le dernier élément, comment moi je suis tombée dedans, parce que j'ai eu un parcours un tout petit peu atypique, avec un esprit un tout petit peu atypique. J'étais très dyslexique, très dyscalculique. Alors aujourd'hui, on appellerait ça de la précocité. À l'époque, on n'appelait pas ça de la précocité, on appelait ça juste de la différence. Et en fait, j'ai toujours eu l'impression d'être en décalage avec le système scolaire, même si j'ai très bien réussi, mais d'avoir une perception, de savoir d'être un peu à l'écart de ça. Moi, j'étais dans le public et puis à l'époque,
on se posait pas, en fait, on réfléchissait pas de cette façon-là. Et même à la fac, quand je me suis retrouvée à la fac, je me suis dit, mais je me sens tellement, tellement, tellement différente. Moi, quand j'étais enfant, on me disait que je n'arriverais jamais à écrire tellement j'étais dyslexique. Aujourd'hui, je suis docteur en philo et j'écris des livres. Donc voilà, c'est aussi pour ce pied de nez-là que je suis tombée dans l'idée de se dire le système scolaire plus classique, il répond à un profil. Et moi, j'ai envie de pouvoir accueillir tous les autres. J'ai envie de pouvoir accueillir dans la singularité. Voilà, je n'ai jamais répondu aussi rapidement, Marc, à cette question-là. Bravo, j'en pose immédiatement une autre. Tu as beaucoup parlé à la fois de l'interrogation autour du soi, de ce qu'on est, ouais, de son alignement, etc. Tu as aussi montré la dimension collective et le rapport aux autres. Et Justin se demande comment on peut faire avec ceux avec lesquels on est vraiment en désaccord. Et ceux avec lesquels il y a non seulement des différences de point de vue, mais des différences de dessin, et avec lesquels on ne sait plus quoi faire. Alors, c'est encore une fois de plus une bonne question, je me répète. C'est vraiment l'expérience la plus profonde de l'altérité, ça, quand vraiment c'est inconciliable. Et bien en fait, et ça pour le coup, c'est un philosophe que j'adore qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui pense beaucoup l'autre, autrui, l'altérité. Qu'est-ce qu'il a? Que signifie cette différence? Et bien, je répondrai à Justin que cette différence, il ne faut pas justement essayer de la résoudre. Et que en fait, penser le collectif, c'est très différent d'être consensuel et d'être d'accord. Penser le collectif, c'est se penser dans un espace. Mais rien, et ça c'est fondamental, rien ne nous oblige jamais à être d'accord. Au contraire, l'écoute de cette altérité, l'écoute de cette différence, nous permet de préciser nos jugements et nous permet de préciser notre pensée. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans ce mouvement, et c'est pour ça que je suis toujours un peu exaspérée par tout ce qui veut fondre l'autre, tout ce qui veut confondre et vouloir illusoirement en fait tomber sur un consensus. Non, Justin a parfaitement raison, on peut être viscéralement opposé à quelqu'un, et ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins philosophe, au contraire. On peut être viscéralement opposé parce que dans cette altérité, cette différence radicale permet de préciser mon jeu. Et souvent, moi, c'est d'ailleurs dans les moments de mon existence où j'ai été le plus en désaccord avec quelqu'un que j'ai le plus travaillé. Parce que j'ai le plus précisé, en fait. Et tout d'un coup, c'est presque une mise en évidence. Donc, non, tant mieux. Tant mieux si Justin n'est pas d'accord. Une dernière question. Il me reste une minute. Il y en a plein d'autres que je te transmettrai, Marie. Oui, avec grand plaisir. Mais la dernière, je la laisse à Adrien, qui se demande en substance, si on commence la philo en confinement, est-ce qu'on va continuer dans le monde d'après? Et qu'est-ce qui peut nous permettre de continuer dans le monde d'après? C'est une très bonne question parce que j'espère, c'est une question qu'on se pose beaucoup. On est en train de créer de nouvelles habitudes, parfois pour le meilleur. Et je crois qu'au contraire, il va falloir faire un effort de discipline pour la continuer dans le monde d'après. C'est-à-dire que se dire que le sens ne va pas surgir tout d'un coup. Ce n'est pas le 11 mai que tout d'un coup, on va être autre. On a beaucoup parlé de réinvention, on a beaucoup parlé de changer, etc. Comme si tout d'un coup, il allait avoir une transformation radicale. Non, cette transformation, c'est petit pas par petit pas par petit pas. Et c'est plus que jamais, j'allais dire, on va commencer la philo en confinement, mais plus que jamais, il va falloir la continuer. Parce que le sens, ça se dessine chaque jour. C'est jamais un état de grâce, c'est pas, ça ne nous tombe pas sur la tête. Ça se dessine dans chacun de nos gestes et dans chacune de nos décisions. Marie, je crois que c'était un moment de grâce. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions et désolé de les avoir tellement peu et mal transmise, et je sais qu'il y en a plein d'autres, et vous êtes belle et vous êtes beau, hein, je le redis toujours. Merci beaucoup Marie. Merci à tous, et merci Marc pour ta confiance, ton sourire, et merci à tous pour vos questions et de m'avoir accueillie ici. C'est un immense honneur, et vraiment, vous pouvez compter sur moi pour continuer à être à vos côtés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
fois. Ah, voilà. Je dis...